Yo, l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bombardopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'un dossier électricité ici en Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous. Positive ou bien négative. Ici dans Bombardopolis, équipe TV Caraïbes là, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nous, information nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec TV Caraïbes. Et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et ça t'a impressionné nous en pile. Si vous êtes capable d'aider nous grandir chaîne ça. Et bien nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. En oué, directeur général électricité d'Haïti, Jean Nicolas Hervé Pierre-Louis, bail dernier détail avec information sous dossier courant ici dans Haïti. Eh bien, ces informations, ça nous protège pour non pas perdre du temps, n'a pas commencé collier. Ils sont combustibles et qui est efficient, qui est plus efficient. Et entre Carrefour 1, Carrefour 2 et Varreux, pour groupe qui capable pour moteur capable de marcher au Mazou, nous avons disponible aujourd'hui à 6 février 31 MW. Au niveau de Varreux 2, qui c'est une centrale qui était supposée marcher au Mazou, mais le EDH joindni, nous venons à marcher au gazole seulement. C'est au gazole seulement qui a marché. Il y a 14 MW disponibles entre Varreux 2 et un groupe à Varreux 1 qui lui-même marché au gazole seulement. Donc on nous dit au niveau Carrefour et Varreux, nous avons au total 31 MW disponibles au Mazou et 14 MW disponibles au gazole. Centrale e-power, journée jeudi à 29 MW. Ce qui donne un total de disponibilité de production au Mazou de 60 MW et de 14 MW de production que EDH gagne au gazole. Pas oublier que nous gagnons centrale Pélique, qui sont centrales hydroélectriques. Matière première, pièce centrale la marché, c'est de l'eau. De l'eau disponible par saison. Et depuis novembre, saison sèche a commencé. Saison sèche a duré de novembre à mars. Journée jeudi, centrale Pélique, sous 3 turbines, sont un seul capable de marcher. Et dans quelques jours encore, on a obligé Campel nous permettre que l'eau accumulée, le nous au niveau suffisant, n'a pas capable de faire marcher. Tout ceci pour nous dire nous que au niveau mi-balais, c'est certain que même quantité d'électricité que nous avons bail dans le plateau central, et très bientôt nous ne sommes pas en mesure de bailler même quantité ça. Même le central Pélique campé, pas oublier, pour mon plateau central, nous avons un réseau interconnecté. C'est-à-dire, centrale qui peut au Prince, centrale marché au Mazou, au Gazoy, est capable de contribuer à alimenter le plateau. Et certainement, nous ne pouvons pas alimenter le même genre. Et pour planteur Artibonitio, nous jouons des accords qui permettent que même le Pélique campé, nous allons faire marcher aux gens de telle sorte que la plantation du riz gagne l'Artibonitio pas souffrir. Ça, c'est au niveau production. Avec production, ça, on nous dit, en résumé, 60 MW au Mazou, 14 MW au diesel, Pélique, le gain de l'eau, on fait le marché. EDH, capable de dire que, en moyenne, pour zone métropolitaine, la majorité de circuits a besoin de 6 heures de temps de courant, en 24 heures. Mais par contre, il y a des circuits, c'est tous les 36 heures que nous sommes capables d'alimenter. Je dis bien, compte tenu du niveau de production que nous gagnons aujourd'hui et du fait que nous rentrons en fond dans la saison sèche. Cependant, même le moins dit que nous sommes capables de joindre 6 heures de temps en 24 heures pour certains circuits, 6 heures de temps en 36 heures en moyenne, il y a des circuits qui joignent plus. Mais en moyenne, nous sommes capables de garantir 6 heures. Si vous avez des délais que nous disons là, arrivé et que vous partagez un courant, c'est parce qu'il y a des contraintes. Contraintes de deux natures. Il y a des contraintes techniques. Contraintes techniques, EDH a intervenu. Mais il y a des contraintes, tout, qui ne sont pas des problèmes techniques. C'est des problèmes humains qui sont liés à l'attitude, une série de monde, comportement, une série de monde qui a détourné ligne EDH. Et dans ce sens, je remercie le magistrat Carrefour, là, côté nous joignons une bonne collaboration, non seulement le magistrat Edouard Carrefour, mais tous les élus locaux Carrefour qui commencent à contribuer avec nous et qui fait que les Léogane, les Carrefour sont capables de dire que nous sommes bon voie pour que, une fois que question humaine, comportement anarchique ça diminuer, eh bien, nous sommes capables de garantir un service dans le délai que nous disons là, pour zone, Carrefour, les organes, etc. Nous commençons à développer un partenariat tout avec élus et maires Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone côté qui a un pile détournement sur ligne tout. Il y a une zone Tabar 52. Il y a un pile problème dans la zone ça avec des individus qui ne sont pas autorisés qui ont fait intervention sur l'île. Et zone, route, toute route sans droit. Et lorsque il y a des interventions qui ne sont pas autorisées, qui ont fait comme ça, c'est des contraintes que liées pour EDH. Les gens ne sont pas contre qui boire, puisque ce n'est pas nous-mêmes qui sommes intervenus sur l'île. Et un autre phénomène encore que je constate, je vais profiter de parler de l'ILA. Pour arriver, on nous dit dans le central que nous sommes dit là, pour arriver dans le centre de consommation, il y a des lignes de transport qui, au niveau 69 000 vols et 115 000 vols, lignes ça passe sous poteau, Yousupilone, un phénomène côté envahi. Ça relève un couloir de servitude. Couloir de servitude, encore une fois, m'a demandé aux magistrats pour prendre responsabilité pour que yo quitter couloir de servitude ça libre. Pour si gagner une intervention pour aider à faire sous pylône ça pour le faire. Si on file 69 000 vols cassés, 115 000 vols cassés, là bien pile dégâts, là bail problème. C'est ça que fait un corridor qui vide, qui uniquement dédié à transport. C'est comme une route et pour courant passer malheureusement et espace vidéo on constate que gagnons une espèce d'anarchie depuis qu'on espace vide tout le monde rentre sur lui et ça compte fait tout que EDH pas qu'à faire inspection sur lui puisque nous pas accès à l'île on acheté et puis le clôturer côté pylône derrière et des fois que des montages pour nous faire nous pas accès à justement pylône ou l'île parce que côté pour faire émondage là qui est dans le corridor côté ligne à passer et bien clôturer libéré et bien contraint ça est capable de faire que quantité de services que EDH pour mettre là pas arriver mais c'est pas EDH c'est des contraintes humaines qui liées tout à comportement non à attitude non à perception que communauté a gagné sous service sous matériel sous infrastructure compagnie. Je parle là tout de commercial. Puisque pour compagnie arriver by service, tout que commercial là marché. C'est vrai que production et distribution dépendent de EDH, mais pour que nous ayons cob pour acheter gaz, pour que compagnie ait cob pour payer producteur privé, il faudrait que lorsque EDH baille bordereau, baille facture, que facture payée. Je vais bailler des chiffres là, qui ont une idée de qui genre comportement, qui genre attitude communautaire par rapport à Bordeaux et EDH. En moyenne, pour le dernier trimestre 2019, là, pour la catégorie que nous relèvons grands clients, EDH distribué 2515 Bordeaux, c'est 1200 clients en moyenne qui payent. Pour la zone Pétionville, EDH distribué 33 000 Bordeaux. C'est 6500 personnes seulement qui ont adresse au bureau EDH. Pour Delma, EDH distribué 30 000 Bordeaux. C'est 7 000 personnes qui viennent payer. Pour Port-au-Prince, EDH distribué 20 000 Bordeaux. C'est 4 300 clients qui viennent payer. Pour Tabar, EDH distribué 20 367 Bordeaux, c'est 2854 on tabac seulement qui paye. Pour Carrefour, EDH a distribué 34 178 bordereaux. C'est 4 256 clients qui viennent payer. Ce qui fait que son total de 140 532 bordereaux qui distribués, en moyenne pendant le dernier trimestre 2019 là, c'est 111 clients qui viennent payer. Maintenant, au niveau de la dette, nous avons une radiographie de dette là par catégorie de clients. Dette résidentielle, en septembre 2019, il est élevé à 13 milliards de gouttes. Dette commerce, pour Port-au-Prince et province, il est élevé à 1,7 milliard de gouttes. Industrie, Port-au-Prince et province, doué EDH, 1,7 milliard de gouttes. Organismes publics, 1,8 milliard. Organismes autonomes, 946 millions. Éclairage public, c'est-à-dire lampe de rue, qui est supposé payer par la mairie, doué compagnie 4,145,670,061 gouttes 75. Production, distribution, commercialisation. Mon entrepreneur privé capable de faire tout moyennant que une licence pour ça, que organe de régulation, que cadre légal là met en place, qu'il est annoncé et bali. Et sous bien regarder, augmenter production, c'est augmenter coût. Donc, si on regarde bien réforme, il va aller vers l'augmentation de la production, mais le fait que technologie que réforme prévoit qui va l'utiliser, son technologie côté matière première là, de loin, bon meilleur marché par rapport à matière première qu'a utilisé Bounier, je crois que son approche extrêmement pragmatique. Et puisque nous allons aller vers l'augmentation de la production avec une diminution de coût d'exploitation. Et il faut regarder virage ça tout vers l'autre technologie de production. Je crois que le gouvernement fait un pile avancée dans la question énergie renouvelable. Et EDH, je ne dis à tout disposer de microcentrales solaires. Donc, on a rentré dans une nouvelle technologie à tout. Donc, on croit que c'est un pas, c'est un regard que nous tournons dans la bonne direction. Premièrement, nous changer matrice énergétique là. Et on croit que ce n'est pas un bagage seulement qui est lié à un gouvernement, parce que l'offre de changer matrice énergétique, l'offre changer l'air. Et ces générations après, qui va avoir l'impact ça. On regarde, je dis, c'est vrai que Pélique a un seul groupe, mais courant de jeunes là, c'est Pélique qui va aider. En Pélique, son centre hydroélectrique, ça te prend pile de temps pour construire. Il y a un pile de controverse sur les étapes pour se construire. Donc, c'est le rôle du gouvernement pour innover, pour faire des bagailles que la société, peut-être génération qu'on y a, pas comprendre, mais la génération d'après, c'est où va bénéficier de lui. Concernant la question de production actuelle, là, on croit que même lorsque le changement pour faire depuis la saison de sèche, pour qu'on baisse la production, évidemment, EDH pour mettre, on a fait tout ça de capable avec centrale thermique. Nous ne sommes pas capables de compenser l'apport au Pélique, mais nous avons fait de notre mieux pour que la production thermique là augmente. Son processus, d'abord base là, il faut que base là solide, parce que là, côté de la base là durable. Et déjà, moi c'est Jean-François, je travaille pour agence en ligne 29 FO. On date qui était 26 novembre 2019, on a fait une conférence en bas, et que nous-mêmes journalistes, nous étions rapides en gêne dans le nous avons assisté à la conférence de Bressard, et que le SA, nous promet une amélioration dans la distribution de courant dans le pays. Surtout dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, soit 6 à 8 heures de temps par jour. Vous avez parlé de Centrale Varreux, Centrale Pélique et Varreux, Carrefour 1 et 2. Les trois combinés, Tabar 75 à 80 MW de courant pour zone ça. Surtout, les gens qui ont circulé au gagne, moi personnellement, nous avons écrit, nous dit qu'il y a amélioration dans le courant. Je dis à nous, pas jamais au courant, madame m'a toujours demandé qui le 25 décembre à privé pour commencer au courant. Personnellement, nous pas au courant déjà. Et je dis, on vient là, on a annoncé 6 heures de temps encore de courant. Donc c'est même annonce qui fait. Je dis concrètement déjà, qui ça nous doit attendre, qui ça me doit écrire moi-même. Et puis deuxième question, il y a une information qui a circulé sur les réseaux qui fait qu'on est EDH à payer à Gang Village de Dieu $100 000 américains par mois pour que nous soyons capables de résister en bas. Est-ce qu'on est capable en mesure pour infirmer les confirmer l'information, ça va pour nous. Merci beaucoup. Au niveau production, c'est vrai que moi dit que si vous regardez bien, moi dit qu'il y a un groupe qui marchait au mazout, un groupe qui marchait au gazoil. Actuellement, on n'a pas de problème d'approvisionnement en mazout. Par contre, gazoil là, c'est pas EDH qui achète. Mazout à tout. Même capable de dire là, mazout est disponible. Gazoil, nous demandons volume de gazoil pour nous dépasser la fête fin d'année qui est épuisé. Nous demandons renouveler le volume pour nous passer le mois de novembre là. Et nous espérons que l'un jour à venir là, le stock gazoil que nous demandons est capable de renouveler. Mais le problème fondamental c'est que avec performance que EDH performance EDH nous pas de moyens pour acheter gaz à nous-mêmes. Nous dépendons de une subvention de l'État pour acheter gaz. Donc la production que nous avons aujourd'hui, c'est en fonction de disponibilité combustible que nous avons. Pour la question de gang, moi-même personnellement, moi pas je prends contact. Et ni EDH tout. Donc nouvelles arts moins infirmées. Moi je pense que son vieille propagande n'est pas gain aucune vérité là-dedans. D'ailleurs, il y a des informations qui disent c'est vrai que nous avons tiré au retard de paiement, mais nous faisons payer mois de décembre. Donc c'est une information complètement fausse. Prochaine question. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre-Louis, c'est Débro Chalmont qui travaille pour les zones de Mille. Je ne veux dire, d'après mes audits, nous, subvention que l'État ici et à EDH là, c'est à quel niveau que l'État, s'il vous plaît, merci. Et rappelez-nous qui ça, budget annuel EDH. Et puis, c'est pour nous capable d'insister sur un petit casse tout petit sur un volet question camarade la déposée. Tout le monde pensait qu'avec récupération centrale, soit AITRAC ou bien coupé contrat sur GNR, ça va avoir une amélioration dans la distribution courant. Pour parler de saison sèche qui est supposée concerner Pélique, selon ça me comprend non seulement. Et je veux dire là, qui ça problème qui fait que en dépit de récupération centrale, ça nous n'est pas capable de bailler plus courant pendant que c'est ça nous attendre. La subvention c'est quoi? On dit que par rapport à la quantité d'énergie que EDH produit, que ce soit le moyen propre, pas moyen propre, ou bien quantité d'énergie de l'acheter dans mes fournisseurs, il a besoin d'environ 1,1 milliard de gourdes par mois. Pendant que dans les recettes que EDH fait, arriver à voisiner environ 400 millions, 450 millions. Donc, pour combler l'écart, les sacs subventions, les utiliser à deux niveaux, je veux dire, EDH pas qu'à acheter mazout. 400 millions. Je veux dire, EDH pas acheter mazouk dans centrale de marché. C'est le gouvernement qui mettait mazouk disponible. Malheureusement, il y a des centrales encore, il y a des grosses usines encore qui marchaient sous gazoil. Et gazoil est cher. Et il n'y a pas de moyen d'acheter gazoil. Et nous, les producteurs privés, tout, qui n'ont pas de moyen de payer. Donc, subvention, aider à payer les producteurs privés, et puis acheter un train pour nous. Et le gros problème, moi, je dis là, de regarder le comportement clientèle là, combien de bordeaux qui distribuent, combien de monde qui réagit. C'est pas EDH seulement, c'est radiographie société, nous, en tout. Comportement, nous, choix et clientèle là, le jeune bordeaux. Ça fait un bas chiffre, ça d'ailleurs. Ok. Bon, dernière question. Au niveau production, c'est vrai que moi dit que si vous regardez bien, moi dit qu'il y a un groupe qui marchait au mazout, un groupe qui marchait au gazoil. Actuellement, on n'a pas de problème d'approvisionnement en mazout. Par contre, gazoil là, c'est pas EDH qui achète. Mazout à tout. Même capable de venir dire là, mazout est disponible. Gazoil, nous demandons un volume de gazoil pour nous dépasser la fête fin d'année qui est épuisé. Nous demandons renouveler le volume pour nous passer mois de novembre là, et m'espérer que l'un jour à venir là stock gazoil que nous demandons est capable de renouveler. Mais le problème fondamental c'est que avec performance que EDH performance EDH, nous n'avons pas de moyens pour acheter gaz à nous-mêmes. Nous sommes dépendants de une subvention de l'État pour acheter gazoil. Donc, la production que nous avons aujourd'hui, c'est en fonction de disponibilité combustible que nous avons. Pour la question de gang, moi-même personnellement, moi pas je prends contact. Gang et ni EDH tout. Donc, nouvelles arts, moins infirmées. Moi, je pense que son vieille propagande n'est pas gain aucune vérité là-dedans. D'ailleurs, il y a des informations qui disent, c'est vrai que nous avons tiré au retard de paiement, mais nous faisons payer mois de décembre. Donc, c'est une information complètement fausse. Prochaine question. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre-Louis, c'est Débro Chalman qui travaille pour les zones de mille. Je ne veux dire, d'après mes auditions, subvention que l'État haïtien et à EDH là, c'est à quel niveau que l'État, s'il vous plaît, merci. Et rappelez-nous qui ça, budget annuel EDH. Et puis, c'est pour nous capable d'insister sur un petit casse tout petit sur la question de camarade à déposer. Tout le monde pensait qu'avec récupération centrale, soit AITRAC ou bien coupé contrat sur GNR, ça va avoir une amélioration en distribution courant. Pour parler de saison sèche qui est supposée concerner Pélique, selon ça me comprend non seulement. Et je dis à la qui ça problème qui fait que en dépit de récupération centrale, nous ne sommes pas capables de faire plus courant pendant que c'est ça nous attendre. La subvention, c'est quoi? On dit que par rapport à la quantité d'énergie que EDH produit, que ce soit en moyen propre, pas moyen propre, ou bien quantité d'énergie que l'acheter dans mes fournisseurs, il a besoin d'environ 1,1 milliard de gourdes par mois. Pendant que dans les recettes que EDH fait, arriver à voisiner environ 400 millions, 450 millions. Donc, pour combler l'écart, et ça, subvention, les utiliser à deux niveaux, je veux dire, EDH, pas qu'à acheter mazout. 400 millions. Je veux dis à EDH, je ne peux pas acheter mazout pour centrale de marché. C'est le gouvernement qui mettait mazout à disponible. Malheureusement, il y a des centrales encore, il y a des grosses usines encore qui marchaient sous gazoil. Et gazoil est cher. EDH n'a pas de moyen d'acheter gazoil. Et nous, les producteurs privés, tout qui n'a pas de moyen de payer. En subvention, aider à payer les producteurs privés et puis acheter entrant et entrant pour nous. Et petit gros problème, moi, je dis là, de regarder le comportement clientèle là, combien de bordeaux qui distribuent, combien de monde qui réagit. C'est pas EDH seulement, c'est radiographie société, nous, tout. Comportement, nous, choix et clientèle là, le jeune bordeaux. Ça fait un bas chiffre, ça, d'ailleurs. Ok. Une dernière question. Bonjour les gens. Moi, c'est Jessie Bonselin. Je travaille pour Radio Nationale d'Haïti. Donc, nous connaissons, ça n'a pas longtemps, on a annoncé une série de travail qui est faite pour capable de passer de câble de haute tension en bataille pour arriver dans la capitale. Donc, nous avons constaté le travail, ça a été arrivé dans les limites Carrefour Fleury. Je veux dire là, dans quel niveau que nous sommes dans le cadre de travail, ça a été. Ensuite, l'autre question, là, nous connaissons à plusieurs reprises, vous parlez de couloirs de sécurité qui va gagner en bas câble haute tension. Dans le niveau EDH, qui ça que nous fait pour éviter problème ça, puisque on dit que ça a plus passé 50 ans depuis que vous passé, donc probablement il représente un danger pour la population. Qui ça que nous fait dans le niveau panneau pour empêcher nous continuer à rester là-dedans, c'est des gens qui étaient dans zone ça pour retirer dans zone. Merci à vous. Merci. Moi je parlé tout à l'heure de centrale Pélique. Pélique quand même à une quarantaine de kilomètres peut-être même plus 50 km de Port-au-Prince. Pour courant qui sortit Pélique, la transporter et river Port-au-Prince, utiliser ou élever tension qui vient faire que tout au ligne de 115 000 volts. Maintenant, Centrale Pélique bénéficiait ces 5, 6, 8 dernières années d'une coopération qui permet que 53 turbines Pélique finalement jouent un bon genre de réhabilitation. Maintenant, imaginez au fin de réhabiliter centrale là et puis l'îlant vieux fait depuis 1970. Donc, EDH met avec le gouvernement, joindre le financement tout pour rénover les de transport qui sont type Pélique, rivé dispatching des Marandrois. Maintenant, il se trouve que on partit dans l'îlant côté justement ça me tape dit comportement mounio rentré en bas. Donc l'île ça n'a pas opérationnel encore de l'île à voie à Delma 33 pour l'île là c'est câble souterrain qui passait justement parce que la population vandalisée en bas l'île. Donc ça fait que les câbles souterrains pour l'île nous passons avec câble aérien encore et câble souterrain est en service à couloir de sécurité, c'est un espace qui probablement doit être construit, il est déjà déclaré d'utilité publique. Sûrement il y a des dédommagements est fait pour lui déjà. Et puis espace ça, il est vandalisé. Maintenant, c'est sensibilisation. On continue à sensibiliser les mairies à chaque fois qu'on nous rencontre. Et ça, c'est pour ça que fait déjà. Maintenant, gagné, on se dit là tout à l'heure, gagné environ 40 km de ligne haute tension qui prévoit pour construire encore avec 150 millions que le gouvernement Taïwan, l'État taïwanais a mis à disposition. Moi, le Sahara, je crois que l'espace Sahara, avec mairie qui l'a eu, on va faire plus de sensibilisation pour que l'un puisse joindre l'espace Sahara pour que pas vandaliser encore. Diego. Environ. fonds propres plus fonds que l'État ici mettait avec pour qu'à fonctionner. Bon, on croit que c'est samedi, nous gagnons suffisamment de stock de mazout et gazon est là, nous sommes en train de demander pour que 14 mégawatts, que nous dit là, et au gazon est là, que nous fois une gazon là, nous capable de mettre mon test en marche. Mais nous demandons par mois, de telle sorte que l'État mette à disposition nous volume gazon que nous besoin pour faire marcher. Oui. Eh bien, DG, les derniers mots pour fermer cette conférence de presse. Moi, remercier la presse de présence. Et m'a dit la presse que EDH comptait et souligne. C'est ensemble, dans travail ensemble, dans aider nous, faire éducation, population, je me suis dit là, il y a un pile aspect qui est lié à une question de comportement, une question de perception. Merci. Comptez sur nous. Merci à toute la presse là qui est venue, la conférence de presse. À la prochaine. Voilà. Équipe TV Caraïbes là dit merci avec tout le monde qui est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. C'est TV Caraïbes. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.